Bien, bonsoir. Et tout d'abord, merci de l'invitation. Pour finir de me présenter, peut-être, donc je suis Aurélien Bernier. J'ai commencé à militer il y a quelques années dans une association que vous connaissez sans doute qui s'appelle ATTAC. J'ai travaillé également effectivement avec Jacques Nikonoff au mouvement politique d'éducation populaire. Alors il se trouve que je suis venu à travailler sur la question environnementale, pas parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais parce que ça, c'est ma profession. Et donc je me suis intéressé à ces questions plutôt sur le tard. Pour commencer cette petite intervention, je vais vous lire une citation que j'ai reprise dans mon livre, citation dont je vous dirai l'auteur à la suite. Donc ouvrez les guillemets. Il est clair aujourd'hui que la croissance quantitative doit désormais mieux respecter les éléments qualitatifs dont dépend notre équilibre collectif et dont dépend notre bonheur individuel. L'industrialisation sauvage qui accumule les nuisances, l'urbanisation hors d'échelle qui disloque les communautés, ne répondent plus aux aspirations et aux nécessités du temps présent. Le moment est venu de définir une nouvelle croissance. J'insiste en effet depuis plusieurs années et dans diverses circonstances sur la nécessité d'une croissance différente, plus humaine et plus économe. Cette nouvelle croissance n'est pas seulement un concept, un sujet de réflexion ou de rêve. Elle peut se dessiner concrètement. En matière d'environnement, elle signifie d'abord une croissance zéro de la pollution. Aux indices économiques traditionnels qui mesurent exclusivement l'expansion de la production marchande, il conviendra d'ajouter d'autres critères qui traduisent aussi les changements du cadre de vie et qui ne sont, à l'heure actuelle, recensés dans aucun de nos éléments statistiques. Dans le monde de demain, l'augmentation des espaces verts publics, la plus grande pureté de l'air et de l'eau, le recul des accidents du travail ou de la route devront être des signes mesurables et mesurés de progrès. Alors, l'auteur de cette phrase, contrairement à ce qu'on pourrait croire en l'écoutant, n'est ni Nicolas Sarkozy au moment du Grenelle de l'environnement en 2007, ni Nicolas Hulot au moment de son pacte écologique, ni même les actuels ministres d'Europe Écologie. Ces phrases ont été prononcées par M. Valéry Giscard d'Estaing quand il était président de la République en 1975. Et je crois que ce petit texte résume un petit peu le pourquoi de ce livre. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'écrire sur l'histoire de l'écologie politique ? Parce que entre 1975 et aujourd'hui, eh bien, les discours sont restés complètement inchangés. Il aurait suffi de changer deux ou trois mots dans ce texte pour avoir quelque chose qu'aurait pu dire Sarkozy, Hulot ou Al Gore. Et donc, depuis une quarantaine d'années, eh bien, on parle d'écologie dans les médias, on parle d'écologie aux tribunes des meetings, on parle d'écologie à peu près partout, avec un discours plein de bonnes intentions et avec une situation environnementale qui ne cesse de se dégrader. Et donc j'ai essayé de trouver pourquoi ce discours est invariant et pourquoi, malgré ces discours, malgré ces engagements des chefs d'État, de la communauté internationale, des écologistes, eh bien on n'arrive pas à réduire les pollutions, les émissions de gaz à effet de serre et à protéger la biodiversité. Alors pour le comprendre, il faut revenir un petit peu sur l'histoire de l'écologie politique. Donc l'histoire récente, puisque en fait l'écologie politique apparaît dans la deuxième moitié du XXe siècle et elle apparaît autour des écologistes américains qui, dans les années 50-60, commencent à tirer la sonnette d'alarme sur un certain nombre de sujets. Premier sujet, les retombées radioactives dues aux essais nucléaires qui, à l'époque, sont pratiqués dans le désert du Nevada. Et donc où l'armée américaine fait exploser des bombes et on retrouve malheureusement des traces de radioactivité jusque dans les dents des enfants, puisque un scientifique de l'époque qui s'appelle Barry Commoner
a lancé une grande opération pour récupérer les dents de lait des enfants et identifier ces traces de composés radioactifs qui avaient la particularité de se fixer dans les os et dans les dents parce que c'était des particules qui étaient très proches de celles du calcium. C'est aussi la lutte d'une biologiste qui s'appelle Rachel Carson pour faire interdire un pesticide qui s'appelle le DDT, pesticide qui avait été utilisé par l'armée américaine pour traiter les infections parasitaires des soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et une fois la guerre terminée, eh bien, il fallait recycler les usines qui produisaient ce pesticide. Et donc, on n'a rien trouvé de mieux que de le recycler dans l'agriculture, où les agriculteurs américains faisaient des épandages assez massifs de DDT. Et grâce aux avions qui auparavant étaient utilisés pour la guerre et qui là étaient utilisés pour l'épandage aérien de pesticides, et ce DDT eh bien, provoquait des dommages sur la faune. Et cette biologiste américaine a été la première eh bien, à mettre en évidence ces dommages importants du DDT sur les animaux, avec un livre qui est resté assez célèbre dans l'histoire de l'écologie, qui s'appelait « Printemps silencieux ». Et c'est aussi, à cette époque, eh bien, un discours écologiste eh bien, qui s'attaquait aux grandes firmes, qu'on n'appelait pas encore des multinationales, mais qu'on avait toutes les caractéristiques, qui s'attaquaient au capitalisme débridé, et qui critiquaient eh bien, le productivisme qui était à la source des problèmes environnementaux. Et donc, on a une écologie assez radicale qui s'est constituée à cette époque, dans les années 50-60, et qui a commencé petit à petit à faire peur au pouvoir politique et au pouvoir économique. À tel point que, en 1970, eh bien, un sénateur américain a organisé la première journée de la Terre, qui a vu un certain nombre de conférences se dérouler sur le sol américain, qui a vu des manifestations se dérouler dans les principales villes, et qui a aussi vu un certain nombre de firmes eh bien, faire les premières opérations de ce qu'on appellerait aujourd'hui du greenwashing, donc des opérations de communication pour dire à quel point elles étaient soucieuses de protection de l'environnement. Et donc, dès 1970, eh bien, on voyait des firmes comme Ford, comme Dow Chemical ou comme Monsanto participer à cette première journée de la Terre organisée aux États-Unis. Mais derrière tout ça, il se jouait quelque chose de beaucoup plus sérieux derrière ce greenwashing. Il se jouait quelque chose de sérieux parce que les grandes puissances économiques eh bien, ont compris assez vite que les problèmes d'environnement pouvaient amener les États, sous la pression évidemment des populations, eh bien, à prendre des mesures coercitives pour limiter les émissions polluantes. Et notamment, eh bien, à prendre des mesures qui pouvaient s'opposer à ce qui était déjà en train de se mettre en place, qui était l'ordre commercial qu'on connaît aujourd'hui et qu'on désigne sous le nom de libre-échange. Alors, le libre-échange, pour revenir véritablement aux motivations premières au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le libre-échange est voulu avant tout par les firmes et par le pouvoir américain. Pourquoi ? Parce que, au sortir de la guerre, eh bien, les États-Unis sont la première puissance économique, je crois qu'ils représentent à peu près 80% de l'économie mondiale, et que les États-Unis veulent écouler leur production le plus largement possible, et veulent surtout éviter que des pays comme la Grande-Bretagne, qui dominait le commerce international auparavant, eh bien, continuent à avoir ce leadership. Et donc, dès les années 40, en fait, alors que la guerre n'est même pas terminée, les États-Unis cherchent à imposer le libre-échange.
Donc il l'impose d'abord à la Grande-Bretagne au travers de la Charte de l'Atlantique, un texte qui avait pour but de tracer les bases du nouvel ordre international qui allait émerger au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, au travers de négociations multilatérales qui devaient aboutir à la création d'une organisation internationale du commerce. Et bon, il se trouve que les États-Unis n'ont pas réussi à imposer à ce moment-là le libre-échange, parce que certains pays se sont opposés à cette vision libre-échangiste, mais que par la suite, et par l'intermédiaire du GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers, eh bien, progressivement, le libre-échange, les conditions du libre-échange ont commencé à se mettre en place. Alors, quelles sont-elles ? Eh bien, c'est d'abord un cadre juridique qui permet progressivement de doter, de supprimer les entraves au commerce que sont les droits de douane. C'est aussi, évidemment, la suppression des quotas et la suppression des normes qui pourraient entraver le commerce. Et bien sûr, parmi ces normes, si jamais la question environnementale devenait véritablement prégnante, et si des États voulaient réellement protéger l'environnement, eh bien, certaines normes pourraient entraver le développement du commerce. Et donc, quand, à la fin des années 60, la communauté internationale se réunit pour la première fois, au début des années 70, quand elle se réunit pour la première fois pour aborder les questions environnementales, eh bien, les États-Unis et le GATT ont préparé le travail. Bon, une conférence internationale, ça se prépare quelques années à l'avance. La première conférence a eu lieu en 72 et le travail préparatoire a commencé dès l'année 68. Eh bien, le GATT a fait en sorte que, à cette conférence, eh bien, on acte le principe, on sanctuarise en fait le libre-échange. C'est-à-dire qu'on pouvait parler d'environnement, on pouvait parler de protection de l'environnement, mais il était hors de question de remettre en cause le libre-échange. Et donc dans cette première déclaration de la communauté internationale sur l'environnement, on a un article qui dit explicitement « Les pays s'engagent à ne pas prendre de mesures qui pourraient pénaliser le commerce, qui pourraient limiter les échanges commerciaux ». Donc, dès le départ, les négociations environnementales ont été soumises au diktat du libre-échange. Alors, ceci dit, c'est pas pour ça que la question environnementale a disparu du débat public. Au contraire, au fur et à mesure, les crises environnementales se sont multipliées, mais toujours... au fur et à mesure qu'on négociait sur l'environnement, on a toujours pris soin de garder cette petite phrase dans les déclarations qui disait que aucune mesure ne devait revenir à faire du protectionnisme. Alors, bon, il se passe quelque chose de nouveau dans les débats sur l'environnement, malgré tout, avec l'arrivée au pouvoir des ultralibéraux. En 1979, Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et un peu plus d'un an après, Ronald Reagan aux États-Unis. C'est-à-dire que dans un premier temps, les questions environnementales vont être évacuées des agendas politiques, bon, simplement parce que les principaux dirigeants ont autre chose à penser que négocier sur les questions environnementales. On est en pleine crise économique due au second choc pétrolier. Et voilà, Reagan et Thatcher, qui sont évidemment tout ouïes quand les grands lobbies industriels leur parlent, dans un premier temps, évacuent la question environnementale. Mais dans un deuxième temps, on voit revenir la question environnementale, à peu près au milieu des années 80, au travers d'un document qui est resté assez célèbre, qui s'appelle le rapport Brundtland. Et ce rapport, qui a été écrit par une commission présidée par la ministre norvégienne de l'Environnement, lance un nouveau concept qui est le concept de développement durable.
Et qu'est-ce qui change par rapport aux années 70 avec le développement durable? Eh bien, c'est que là, on abandonne complètement l'idée de remettre en cause le système économique, qu'on dit même que pour protéger l'environnement, eh bien, il faut créer de la croissance, qu'on créera de la croissance en développant le commerce international notamment, et que, eh bien, on invite les entreprises à s'auto-responsabiliser. Donc on ne va pas leur mettre de contraintes, on ne va pas édicter de normes contraignantes, on en appelle à l'auto-responsabilisation des entreprises. Et puis, bah, comme il faut bien quand même faire évoluer les choses, eh bien, le développement durable sonne le début de la culpabilisation individuelle. C'est-à-dire que les grands pollueurs que sont les firmes multinationales sont dédouanés de leurs responsabilités, et par contre, eh bien, on va mettre l'accent sur la responsabilité individuelle. Et vous savez tous, depuis le milieu des années 80, eh bien, qu'on est tous responsables de la pollution, de la dégradation de l'environnement. Et donc, c'est par l'addition de nos actes individuels, eh bien, qu'on va réussir à sauver la planète. Et bien sûr, le développement durable prend soin de sanctuariser à nouveau le libre-échange, en disant, avec toujours la même petite phrase magique, les États ne devront pas prendre de mesures protectionnistes qui s'opposeraient au commerce international. Voilà, donc ce développement durable qui a été perçu comme, si vous voulez, une espèce de greenwashing. C'est vrai que dans les années qui ont suivi, toutes les grandes firmes, y compris les plus polluantes, ont mis des pages sur le développement durable dans leur rapport d'activité, souvent sans changer grand-chose à leur pratique. Donc ce développement durable a été perçu comme principalement du greenwashing. Mais en fait, il faut bien comprendre que dès le départ, c'est l'adaptation des politiques environnementales au tournant de l'ultralibéralisme et au tournant de la rigueur. C'est-à-dire que ce n'est pas un concept, un bon concept qui aurait été perverti, c'est fondamentalement l'adaptation des politiques environnementales à ce tournant de l'ultralibéralisme. Et bon, le développement durable a fait son temps. Aujourd'hui, on est rentré dans une autre phase. On est rentré dans une phase qu'on appelle soit le capitalisme vert, soit l'économie verte, hein, dans la littérature, bon, ce qui revient à peu près au même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la planète est suffisamment dégradée pour que la préservation de l'environnement devienne une activité rentable. Et donc, les grandes firmes ne se contentent pas de faire du greenwashing. Aujourd'hui, elles investissent dans ce nouveau marché qui est la préservation de l'environnement. Et depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, eh bien, on voit des grandes multinationales de l'énergie, des boîtes comme Areva, comme Suez, qui investissent dans les énergies renouvelables parce que, eh bien, il y a des marchés, il y a de l'argent à faire avec ces énergies faiblement émettrices de gaz à effet de serre. Et s'il y a eu ce basculement assez soudain quand même, c'est d'une part parce qu'il y a de nouveaux marchés et que il est question de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi et surtout parce que depuis la fin des années 90, eh bien, on est sur une tendance à la hausse sur les marchés de l'énergie, avec une augmentation assez importante, notamment du prix du pétrole. Et bon, cette phase du capitalisme vert ou de l'économie verte s'accompagne également de la création de nouveaux marchés financiers avec le fameux marché du carbone dont vous avez peut-être entendu parler, donc auquel j'ai consacré aussi un bouquin il y a quelques années. Alors, marché du carbone qui est une curiosité assez remarquable, puisque selon ce principe, si l'environnement est dégradé, c'est parce que l'environnement n'a pas de valeur marchande.
Et selon les économistes qui ont inventé ce marché du carbone, pour que les firmes, les États, les citoyens protègent l'environnement, eh bien, il faut attribuer une valeur marchande à l'environnement. Et donc le moyen qui a été trouvé pour attribuer cette valeur marchande, c'est de distribuer des quotas aux entreprises qui émettent des quantités importantes de gaz à effet de serre, comme on distribue des quotas aux producteurs de lait, comme on distribue des quotas aux pêcheurs. Sauf que là, ces quotas vont porter sur les pollutions et pas sur la production. Et puis, eh bien, on ouvre une bourse, un marché, où on va permettre l'achat et la vente de ces quotas. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait reçu un volume 100 de quotas et qui émettrait une quantité de gaz à effet de serre équivalent à 90, eh bien, pourrait vendre son surplus de quotas. Et à l'inverse, eh bien, une entreprise qui n'aurait pas suffisamment de quotas, qui polluerait plus que le niveau qu'on lui a autorisé, que les États lui ont accordé, eh bien, devrait acheter des quotas sur ce marché. Donc l'intérêt, c'est que ce n'est pas l'État, ce n'est pas le pouvoir politique qui va déterminer le prix à payer pour protéger l'environnement ou au contraire pour le détruire, c'est la loi du marché, donc le rapport entre l'offre et la demande. Et donc qu'est-ce qu'on a vu quand on a ouvert ce marché du carbone? Eh bien, on a vu se créer des fonds d'investissement spécialement dédiés à la spéculation sur ce marché du carbone. Et les acteurs traditionnels de la finance, ceux qui investissaient avant sur le marché du pétrole, sur le marché de la dette, sur les marchés monétaires, eh bien, se sont mis à investir sur le marché du carbone avec un seul objectif qui est d'acheter le titre le moins cher possible, de le revendre le plus cher possible et d'empocher, bien sûr, au passage, la différence. Comme ce marché était très bien pensé, on a même eu des fraudes assez remarquables, dont une fraude à la TVA, avec des gens qui achetaient des quotas sans payer la TVA, qui les revendaient dans un pays où ils sont assujettis à la TVA, et qui disparaissaient avant de restituer la TVA à l'État. Ce qui a coûté quand même quelques milliards à l'État français ces dernières années. Donc voilà un petit peu dans quel monde merveilleux on est en train de rentrer grâce à cette économie verte, mais qui finalement est que l'aboutissement d'une longue construction historique où on est passé dans un premier temps par un discours assez simpliste de récupération des questions environnementales par le pouvoir économique, dans un deuxième temps par ce thème du développement durable et aujourd'hui le capitalisme ou l'économie verte. Mais il faut dire que dans ce processus, les écologistes ont quand même été relativement en dessous de tout. Alors ils ont été en dessous de tout pour une raison assez curieuse, qui fait que, alors que les ultralibéraux voulaient à tout prix réduire les pouvoirs de l'État, eh bien les écologistes ont tenu, pour des raisons différentes, à peu près le même discours. Et ça, pour le comprendre, il faut aussi retracer un peu le fil du mouvement écologiste, donc ce que j'ai fait dans le livre. Et pour faire assez simple, l'écologie qui est née aux États-Unis dans les années 50 et 60 était imprégnée de l'idéologie américaine et les ennemis à abattre, c'était autant l'État que les multinationales. Dans cette mouvance écologiste, il y avait un ennemi, c'était le pouvoir. Et le pouvoir, eh bien, c'était le pouvoir de l'argent, mais c'est aussi le pouvoir de l'État fédéral et des États fédéraux. Et dans les années, à la fin des années 60, quand le mouvement écologiste européen se constitue autour de quelques pays, hein, c'est principalement la France et l'Allemagne, un petit peu également la Belgique et les Pays-Bas,
eh bien, les écolos qui commencent à se structurer se prennent de passion pour la contre-culture américaine et reprennent quasiment mot pour mot eh bien, le discours des écologistes américains. Donc un discours qui est foncièrement contre l'État. Et puis, ça devient encore plus grave à partir du moment où un certain nombre d'États développent la filière électronucléaire et que les écologistes se constituent également contre le nucléaire. Et donc, si vous voulez, en France, le mouvement écolo a un ennemi juré qui est EDF. EDF est le diable et le suppôt de Satan, eh bien, c'est l'État. Et donc, dans ce discours, on trouve des phrases absolument ahurissantes pour dire que eh bien, la notion d'État est dépassée, l'État c'est le nucléaire et la répression, et que donc il faut dépasser l'État et par le local et par le supranational. Alors, dépasser par le local, c'est ce que j'appelle le localisme. C'est ce qu'un écologiste allemand a résumé sous le titre d'un livre qui s'appelle « Small is beautiful ». Donc, on va mener des petites expérimentations localement, à l'échelle d'une communauté, d'un village, d'une région, pourquoi pas. Et voilà, on va partir du principe que ces expérimentations vont se multiplier et qu'on va arriver à changer le monde par ces petites expérimentations. Et puis, le pendant, eh bien, c'est ce que j'appelle le mondialisme, c'est-à-dire le dépassement de l'État par la construction de structures supranationales. Et parmi les structures supranationales, il y en a une qui compte particulièrement pour les écologistes, c'est l'Union européenne. Alors, avant la communauté économique européenne, aujourd'hui l'Union européenne. Et c'est quelque chose de quasiment religieux. C'est-à-dire que les écologistes sont tellement aveuglés par leur haine de l'État que, dès les années 70, eh bien, ils considèrent que la construction européenne va permettre de dépasser les égoïsmes nationaux et que donc il faut quasiment accepter tout ce qui vient de l'Europe. Et ce discours se perpétue. Et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il se perpétue quelles que soient les politiques qui sont menées par l'Union européenne. Il n'y a pas plus destructeur de l'environnement que la politique agricole commune, par exemple, qui est un véritable désastre et pour l'environnement et pour les paysans. Mais malgré tout, les écologistes considèrent qu'il faut continuer dans la construction européenne parce que aujourd'hui, ça convient peut-être pas, mais peut-être que demain, par magie, eh bien, on pourra avoir d'autres politiques. Les politiques industrielles de l'Union européenne sont un véritable désastre social, mais c'est pas grave, il faut continuer dans la construction européenne, parce que peut-être que demain, quand les chefs de gouvernement, quand les commissaires européens auront compris qu'il faut faire du social et protéger la planète, eh bien, ça ira mieux. Voilà. Et donc, on a une alliance objective entre les grandes puissances économiques et les mouvements écologistes pour valider la construction européenne et pour valider le libre-échange. Et c'est quelque chose de véritablement désastreux parce que ça a conduit les mouvements écologistes, comme ça a conduit une grande partie de la gauche européenne, dans une situation de totale impuissance. Pourquoi ? Parce que, eh bien, aujourd'hui, le libre-échange permet aux multinationales qu'ils peuvent eh bien, d'implanter leur production dans à peu près n'importe quel pays, pourvu que les conditions soient favorables, de vendre ses produits à peu près partout sur la planète, d'installer leurs filiales dans des paradis fiscaux pour pouvoir bénéficier de tous les avantages que ça confère. Et en matière d'environnement, eh bien, le libre-échange est le véritable responsable de la destruction de l'environnement. Pourquoi ?
D'une part parce que les flux liés au commerce international représentent plus d'émissions de gaz à effet de serre que de valeur. C'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre liées au commerce international augmentent plus vite que la valeur des échanges qui circulent, des marchandises qui circulent. Mais surtout, alors pour une raison assez simple, hein, c'est que si vous pouvez bénéficier du libre-échange et implanter la production dans des pays à bas coût de manœuvre, qui sont aussi des pays dans lesquels il y a très peu de réglementation environnementale, bah forcément, vous allez avoir une augmentation des pollutions, des émissions de gaz à effet de serre. Mais surtout, si le libre-échange est un véritable désastre, eh bien, c'est parce que, avec l'argument de la concurrence internationale, eh bien, les multinationales peuvent pratiquer le chantage aux délocalisations, et comme elles le pratiquent sur les questions sociales, dès qu'un État agite une menace de réglementation environnementale, eh bien, les firmes font du chantage et obtiennent que ces réglementations, eh bien, soient mises au panier. Et un des meilleurs exemples ces dernières années, c'est celui d'ArcelorMittal. ArcelorMittal, qui était concerné par le marché du carbone. Donc, les États français et belges, par exemple, eh bien, avaient délivré des quotas d'émissions de gaz à effet de serre à ArcelorMittal. ArcelorMittal estimait qu'il n'avait pas suffisamment de quotas qui lui avaient été attribués. Eh bien, il a fait du chantage en disant « si vous ne nous donnez pas plus de quotas, on ferme les sites qu'on a encore en France et en Belgique et on va s'installer ailleurs ». Bien sûr, les gouvernements ont cédé. Le gouvernement belge a rallongé le nombre de quotas qu'il donnait à ArcelorMittal. Nicolas Sarkozy, qui venait de faire le Grenelle de l'environnement, a rallongé aussi les quotas qu'il avait attribués à ArcelorMittal. Et quelques mois plus tard, eh bien, on s'est aperçu que ArcelorMittal avait trop de quotas et qu'il les avait vendus sur le marché du carbone et qu'il avait empoché quelques millions d'euros au passage. Voilà, mais ça montre bien à quel point les États qui se soumettent aux lois du libre-échange, eh bien, sont dans l'incapacité totale de faire passer des lois ambitieuses, que ce soit au niveau social ou au niveau environnemental. Et c'est la conclusion à laquelle on arrive et à laquelle les écologistes devraient arriver naturellement s'ils n'étaient pas complètement conditionnés par 40 ans de culture anti-État, de culture libérale-libertaire, c'est que on ne peut pas protéger l'environnement comme on ne peut pas protéger l'industrie, comme on ne peut pas protéger l'économie, si on ne remet pas en cause le libre-échange. Alors, remettre en cause le libre-échange, voilà, c'est quelque chose qui, techniquement, n'est pas compliqué du tout. Voilà, il suffit de restaurer ce qui existait à une époque, c'est-à-dire des quotas dans certains secteurs d'activité, des droits de douane, des réglementations contraignantes. Mais évidemment, ça demande un courage politique assez important. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, tous les discours officiels, que ce soit dans les G8, au sein des Nations Unies, dans toutes les instances, eh bien, sanctuarisent le libre-échange. Et donc, si on n'a pas de sortie du libre-échange, eh bien, on ne peut pas, faire cette transition écologique dont on nous rebat les oreilles à longueur de colloques ou de discours politiques. Mais sortir du libre-échange, ça nous pose, nous, en particulier en France, un problème particulier qui est celui du rapport à l'Union européenne. Puisque, bien sûr, il n'y a pas plus libre-échangiste que l'Union européenne. Et donc, si on voulait sortir du libre-échange, eh bien, il faudrait se mettre dans l'irrégularité avec le droit européen qui empêche un État de prendre des mesures protectionnistes. Voilà. C'est pour ça que le précédent livre que j'ai écrit, juste avant celui-là, s'appelle « Désobéissant à l'Union européenne »,
parce que je suis persuadé que si on veut rétablir des réglementations environnementales et sociales contraignantes, eh bien, il faudra désobéir également au droit européen. Voilà. Donc, je crois que ces débats-là sur le protectionnisme, sur le libre-échange, sur la désobéissance européenne, ce sont véritablement les débats politiques d'aujourd'hui et pour les années qui viennent. Et toutes ces propositions qui sont en rupture concrète et assez radicale quand même avec l'ordre économique international, eh bien, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai eu la chance de travailler un petit peu, qui s'appelle Jacques Sapir, a donné un nom à ces propositions, ça s'appelle la démondialisation. Je vous remercie.